effectivement, c'est dur parce que je crois que ce soir, mes joueurs ont livré un grand, grand match. Ça joue sur pas grand chose, hein. On voit que ça joue sur des détails. Mais en tout cas, on est à la hauteur de cette finale, je pense, ce soir. C'est dur de notre côté parce que on a poussé fort, on a dépensé beaucoup d'énergie. Je crois qu'on fait un match plein. Hein. Hier, on ne s'est pas présenté cette première minute. Je crois que ce soir, notre entame de match, elle est parfaite. On a manqué d'efficacité. À un moment donné, on a les situations pour marquer sur les supériorités numériques. Ça a fonctionné que sur la dernière ce soir, mais en tout cas, moi, je suis fier de mes joueurs pour ce qu'ils viennent de faire ce soir, mais c'est pas fini. Voilà, c'est 2-2 dans la série, on n'est pas mort. C'est sûr qu'on aurait aimé le gagner, celui-là, surtout avec cette patinoire en fusion. Mais voilà, maintenant, on est focus sur le match 5. Et si on continue avec ce même état d'esprit, avec cette même intensité, on va continuer à challenger cette grosse équipe de Rouen. Il n'y a pas de panique à avoir, hein. C'est une finale, c'est 2-2. Aujourd'hui, on voit qu'on peut rivaliser, on peut challenger cette équipe-là. Maintenant, c'est les détails. Hein. Premier but, on leur donne, on oublie un joueur devant la cage. Nos powerplays, bah, pas assez efficaces dans des moments clés. Les duels face aux gardiens, bah, il faut savoir les mettre. Voilà, c'est du haut niveau. Aujourd'hui, voilà, on est capable de jouer à ce niveau-là, donc c'est une bonne chose, mais jouer, ça ne suffit pas. Ce qu'on veut, c'est gagner. Donc maintenant, on va se concentrer sur le prochain match.